Alors, on voit que. On a d'excellents résultats, ça c'est clair, avec et les radis et les lentilles. Là, chapeau, et on sent que vous avez trouvé en tout cas une technique. Les graines de radis de ces élèves viennent de passer une semaine dans des conditions proches de celles de l'espace. Pas d'eau ni de lumière et une boîte qui change constamment d'axe grâce à une machine spéciale, le tournicoton. Cette expérience, c'est d'imiter un peu le fait qu'il n'y ait pas de pesanteur dans l'espace, dans l'ISS par exemple. Donc en fait, c'est de faire tourner les graines sur plusieurs axes pour qu'elles ne détectent plus en quelque sorte la gravité. Et comme ça, ça nous permet de faire comme Thomas Pesquet en même temps que lui, avoir voir si les résultats sont les mêmes ou quoi que ce soit. Ces élèves tentent d'anticiper le devenir des graines de radis emmenées par Thomas Pesquet dans l'espace. Ils l'ont rencontré le mois dernier à la Cité des Sciences à Paris. Et ils espèrent bien que l'expérience va porter ses fruits. Le but recherché, c'est de vivre très loin de la planète Terre sans revenir sur la planète Terre. Et c'est Mars, l'objectif. Thomas Pesquet, qui est un jeune astronaute, en parle régulièrement. Il va falloir qu'on développe et qu'on entretienne des cultures, mais à grande échelle, ou tout du moins pour entretenir une colonie sur Mars, par exemple, ou sur la Lune. Dans quelques heures, l'aventure de cette pousse de radis dans l'espace va commencer. Une liaison radio avec l'astronaute est prévue pour suivre leur évolution.